sur le site de Xavier Arnauzan. Alors, c'est un site qui dépend du CHU de Bordeaux. On a deux secteurs d'activité qui sont la gériatrie et la partie enseignement. On a grosso modo 350 lits de personnes âgées sur ce site. Et c'est un bâtiment qui a été rénové en 2016. Donc on a installé 60 mètres carrés de panneaux solaires sur la toiture qui alimente en fait un ballon d'eau chaude et qui distribue l'eau chaude sanitaire sur le bâtiment. C'est à peu près 5000 euros annuels d'économie d'énergie sur ce bâtiment. On a eu l'accompagnement du bureau de Texol qui nous a apporté énormément d'aide sur le plan technique mais également sur le plan administratif. L'ADEME dispose d'un outil qui est le fonds chaleur. Le fonds chaleur permet de financer les installations de production de chaleur et de froid renouvelable ainsi que les réseaux de chaleur. C'est un dispositif qui concerne les collectivités et les entreprises. Concrètement, sur les territoires, le fonds chaleur se décline sous forme de contrats de développement des énergies renouvelables. Et en Gironde, c'est le département qui est partenaire de l'ADEME. Il propose aux porteurs de projets un accompagnement technique jusqu'à l'exploitation des installations pour en garantir la fiabilité et la performance. Et puis l'ADEME ensuite finance les installations. Le projet tel qu'il nous a été présenté par le CHU représentait un montant de travaux de 85 000 euros. Et compte tenu de l'application du dispositif d'aide de l'ADEME, l'aide a été de 34 000 euros. C'est une aide qui s'applique selon le forfait compte tenu de la production en mégawattheure. Donc c'est une production de 34 mégawattheures annuelles. Et donc c'est l'obtention de cette production qui conditionne le versement de la totalité de l'aide. Alors là, on est sur la première année de fonctionnement. La théorie, c'était fournir 60% de l'énergie pour la production d'eau chaude pour le bâtiment. On est sur les premiers résultats qu'on a, on est un peu au-delà, on est entre 65 et 70. Après, c'est effectivement un projet pilote. On va valider très rapidement cette installation et l'objectif est de continuer sur d'autres bâtiments du CHU.